tozali décidé pour na kosilisa makambo oya bitumba eumeli mingi bonyokwami mingi bozali kotambola on dirait baumbu na mokili na bino na mabele na bino ezali eloko oyo tokoki kondima ata mokete pona oyo wana gouvernement azali na programme oyo ezali kotia na kati ba mesure ebele ya liboso ezali likambo ya oyo babengi pasi ya badéplacé mpona oyo wana tozalaki na mwa mikakano tano moke mpona ndenge ya komema bastock mais sikoyo bastock ezali déjà près kala mingi te tokoya na oyo babengi aide humanitaire ya gouvernement na aide humanitaire ya baninga ya bamboka mipaya en dehors de ça tokosolola na bakonzi bapesi biso déjà mwa baide na oyo etali baprojet ya communauté de base na ndenge te mpasi na bino ekoka kosila te soki topesi bino bilei tokisi mpasi ekosila soki tosalisi bino na ndenge ke bozongela misala oyo bomesana kosala bosala oyo ya bino bilanga bosala oyo ndenge bokendaka mpe bokila na ndenge ke mpona yango bokoka kosalisa bana na bino botangisa bango na ndenge bomesana. Déterminé à atteindre son objectif de réconforter le compatriote en détresse, Adolphe Mouzito s'est rendu au camp des déplacés de Dungu. Sous un soleil de plomb, le Premier ministre a pu se saisir de l'ampleur de la douleur de ses compatriotes. Sa réponse et ses assurances n'ont pas essuyé les larmes de ces femmes qui ont perdu leurs enfants. Ba soda na biso ya FRDC kazwi ba instruction strict ngambo nde naza kokende je reste branché au téléphone mpona zwa suite Une assistance humanitaire a été apportée sur place en attendant l'affrètement d'un avion charter. Forêts, savanes et autres types de reliefs de Dungu ont été vus par le Premier ministre durant ses brefs passages à Dungu. Adolphe Mouzito a quitté ces territoires en saluant la bravoure des FARDC qui ont pu sécuriser et contenir les attaques de Mbororo. Fatigue et prélassement sont perceptibles, mais rien n'ébranle cependant la détermination du Premier ministre de toucher tout le coin de la partie orientale du pays qui nécessite son arrivée tant pour réconforter qu'écouter les populations et ce, dans leurs milieux respectifs. Kisangani, dernière étape de sa tournée, 17h30, Adolphe Mouzito arrive à la troisième ville du pays. La mobilisation est à son comble. Comme partout ailleurs, toutes les forces vives de la province sont debout. Elles ont rivalisé d'ardeur pour saluer l'arrivée du successeur d'Antoine Gizenga Fundji. En début de journée, réunion des sécurités. Peu après, et à 30 secondes de sa résidence, au gouvernorat de la ville, se croisent des groupes déterminés à rencontrer le Premier ministre. À tout seigneur, tout honneur, le privilège est réservé aux députés provinciaux. La situation générale était au centre de ces débats pour le moins houleux. À toutes les préoccupations, Adolphe Mouzito a répondu par la dialectique habituelle. Rompu dans la gestion financière, le Premier ministre a entretenu les députés au sujet de leurs émoluments, mais aussi sur la rétrocession due à leur province. Avec le ministre provincial, le Premier ministre a rappelé le multiple défi que leur impose la taille de leur province. La rigueur dans la gestion doit être des mises pour tenter de réduire chaque jour les souffrances des compatriotes de cette partie du pays.
Deux routes, des dessertes agricoles sont en réhabilitation dans plusieurs coins de la province, mais des ressources financières évaluées à 1 million de dollars manquent. Et sur ce point, sur place, l'instruction a été donnée au ministre des Finances de débloquer la moitié de ces fonds. Avec les étudiants et les autres catégories, Adolphe Mouzito a tenu le même propos. Les arriérés de la bourse seront payés. Avant son retour sur Kinshasa, le gouverneur Outaï Assenga a tenu à faire visiter au Premier ministre le chantier de construction de l'hôtel du gouvernement provincial et un bâtiment d'utilité publique construit par le Fonds social de la République. Le Boyomé se sont mobilisés encore pour dire au revoir au Premier ministre Adolphe Mouzito. Le Congo est trop grand pour être dirigé qu'à partir de Kinshasa. Sur leur propre sol, il est injuste que des paisibles citoyens vivent dans ces conditions. L'État n'existe que grâce aux provinces. Nous devons sans attendre aller à la décentralisation. Les FDLR ont été amenés au Congo par la communauté internationale et nous devons les aider à résoudre ces problèmes qui endeuillent nos populations. Le programme Amani demeure le seul cadre des discussions parce que créé par tout le groupe armé dont le CNDP. La RDC ne peut se relever que si ses populations sont unies. Aucun complot ne peut aboutir contre tout un peuple. On peut perdre une bataille, mais jamais la guerre quand on dispose d'une arme comme le peuple. Autant de phrases et mots-clés qui résument la première tournée du Premier ministre à l'est du pays. De Goma, Bukavu, Kindu, Bunia, Dungu et Kisangani, Adolphe Mouzito a apporté du réconfort perceptible au premier regard. Il a écouté sans se fatiguer, il a posé des questions pour être éclairé, il s'est penché pour consoler, il a transpiré pour compatir, il a découvert dans la douleur l'immense responsabilité qui lui impose ses fonctions. Adolphe Mouzito ne s'est pas lassé pour autant, sans dire mot, il a pris de l'envol. Ceux qui prédisaient d'un fiasco ont été confus, ceux qui doutaient de lui ont été rassurés. Dans le Kivu, comme au Maniema ou en province orientale, la confiance a été renouvelée au président de la République pour avoir désigné un homme qui s'intègre totalement dans sa vision des grandeurs pour le Congo. Le sang des innocents pour la cause de nos richesses, plus d'un million de déplacés sans abri, oh quel drame. Ils veulent balkaniser notre pays, la RDC, mobilisant tous nos efforts et faisant la résistance.